ministère culture et communication déterminé pour informer la population sur l'activité gouvernement préval Belle Rive là depuis après catastrophe 12 janvier. Ministre culture et communication Marie-Laurence Jocelyn Lasègue pas suspendre exécuter travail comme ministre dans informer population à créer diverses activités culturelles dans le pays d'Haïti. On nous suivre quelques interventions ministre culture et communication Marie-Laurence Jocelyn Lasègue depuis après elle est retournée dans le local ministère. Parler de reconstruction d'Haïti, si on a parlé de refondation, refondation ça, reconstruction ça a passé par culture nous. Toute bagarre qui prend le fait, culture a doué l'ensemble ça prend le fait là. La culture, la musique, c'est une thérapie. Culture nous, c'est coutume nous, c'est langue nous, ces gens nous vivent, ces gens relations que nous gagnons une à l'autre. Donc, on a dit encore Zagalo avec toute équipe, animateurs, animatrices qui est autour de Lio, bravo. Parce que l'initiative là sont belles initiatives. Nabdi USAID avec l'autre monde, le secteur privé qui t'a aidé nous. Merci en pile. Et ma baye artiste sur rendez-vous. Troisième semaine du mois de juin. Nous prenons un week-end, une fin de semaine. Côté nous prenons un colloque ou inventaire au niveau musical. Parce que une recommandation après moi là depuis novembre, après plusieurs mois que moi là, on dit qu'il faut que. Même gens que ont association des cinéastes haïtiens, association des journalistes haïtiens, il faut que ont association des professionnels, que ce soit par rapport à compas, que ce soit par rapport à rap créole, que ce soit par rapport à racine, que ce soit par rapport à troubadour. Nous devons connaître exactement qui ça nous gagne pour que l'œil artiste, un jeune, besoin de faire une musique sortie, il n'est pas obligé, c'est lui-même qui a marché à gauche à droite. Nous avons suggéré tout, une commission paritaire, mais nous n'avons pas parlé de ça. Nous avons dit tout à tout ce qu'il y a, bravo, merci d'être là. Lundi 7 juin, c'était journée latino-américaine pour la presse. Dans l'occasion, ça, ministre culture et communication Marie-Laurence Jocelyn Lasègue, qui a parlé accepter la presse là dans le local ministère. Ministre Lasègue salue courage travailler la presse aussi tout après catastrophe 12 janvier. Pour ministre, il y a un pile travail qui pour faire pour arriver professionnaliser la presse haïtienne. Ministre culture a renouvelé engagement pour l'encadrer travailler la presse haïtienne. On suit. Il y a des dizaines de journalistes, il y a là-dedans qui étaient blessés, il y a là-dedans qui étaient morts. Gain un paquet de médias, soit qui étaient détruits, soit qui étaient gravement endommagés, pendant le tremblement de terre 12 janvier, eh bien, plusieurs de nous-mêmes qui là, vous avez vécu l'innommable, les yeux grands ouverts, ponctués de moments poignants, douloureux, dont les souvenirs entreront encore longtemps, non seulement la mémoire collective, mais celle de la presse. Nous toutes qui là, en pile dans nous qui là, nous t'es touchés, nous t'es blessés, mais ça pas empêchez-nous de continuer le travail. Et c'est ainsi que nous t'avons, après 12 janvier, Mediaio, nous t'avons recommencé le travail. Je pense de façon spécifique à Radio Lumière, Radio Signal FM, Radio Caraïbes, touchés de plein fouet, comme tous les autres secteurs importants du pays. Mais ces travailleurs, ces travailleuses de la presse n'ont pas chômé cependant. Dès les premières heures du drame, ces hommes et ces femmes se sont attelés à la lourde et délicate mission d'informer le public. En pile là dans yo, t'es un problème. La caillou, qu'est-ce que nous, pas de compte côté famille, yo te yé, petit yo, madame, zami, etc. Mais ça pas empêcher, médias si la yo, continue by nouvelle. Près de 5 mois après le drame, cette presse porte sur elle la difficile responsabilité d'accompagner la population dans le processus de reconstruction et de refondation du pays. Le président René Préval, lors de son intervention à l'occasion de la Journée mondiale de la presse, le 3 mai dernier, était invité presse-là à se faire l'écho à la fois des choses positives et négatives, rappelant que les critiques formulées avec professionnalisme peuvent être bénéfiques à une nation. Donc, depuis critiques-là, les respecter éthique, les respecter professionnalisme, eh bien, il est évident que l'île a intérêt pays. Le chef de l'État a aussi rappelé, au cours de son discours, que la liberté de la presse est conquête des journalistes, liberté que le gouvernement continuera de garantir. En ce 7 juin donc, n'a pas blessé nous, mais n'a misé tout sous solidarité. Nous ne pouvons jamais suspendre, cacher, pour ne pas assumer responsabilité nous. L'important, le n'a pas parlé de fondation, de refondation, mais surtout, le n'a pas parlé de construire pour ne qu'avancer puis devant. Chers amis,
le devoir de mémoire, de reconnaissance, des sacrifices consentis par des journalistes et par tant d'autres encore, revêt une importance capitale. Ils devront en effet nous servir d'exemple, de modèle. En leur rendant hommage, je mesure par ailleurs l'immensité de la tâche à abattre par l'État, les associations de responsables de médias, les associations de journalistes, pour professionnaliser davantage la presse haïtienne. Au ministère de la Culture et de la Communication, ouverture, consensus, disponibilité, désir pour une fête, audace, défi, c'est mon salut qui a intéressé nous et qui résumait vision nous de partenariat avec acteurs, actrices que nous parlait de Vio en vent. Nous croyons en effet que l'information et la communication joueront un rôle fondamental dans la reconstruction d'Haïti. Aujourd'hui plus qu'hier, on ne pourra faire l'économie de grandes assises en vue de poser et de rechercher les solutions aux problèmes auxquels la presse haïtienne est confrontée. Enjeuant, l'important en pile, l'enjeu est de taille. Et tant qu'on ne dit lit, pis bonheur, c'est grand matin. Les professionnels de la communication, les journalistes, patrons, patronnes de presse, les universitaires, les chercheurs, chercheuses devront faire des propositions, apporter du contenu à la construction d'une politique communicationnelle adaptée à nos nouvelles réalités. C'est vrai, même s'il y a des problèmes que les journalistes ont traversés, qui étaient là en 22 janvier, mais il est évident qu'après le séisme, nous avons des réalités qui autres, qui différentes. Il est tout aussi urgent de construire la communication, comme de renforcer bien sûr la culture aussi, que les routes, les ponts et les autres infrastructures détruites au moment du séisme, endommagées. Car nous croyons que pour nous créer cette mystique créatrice, cette nouvelle mentalité, ce nouvel haïtien, cette nouvelle haïtienne, plus impliquée dans la reconstruction de son pays, communication en, l'IPRA jouer un rôle prépondérant. Communication a joué déjà un rôle extrêmement important. La journaliste que je suis, que je n'ai jamais cessé d'être, se sent à l'aise de travailler au sein d'un gouvernement qui respecte les droits des journalistes, qui respecte les libertés de la presse. Je crois que la presse doit se professionnaliser encore plus. En ce 7 juin 2010, je voulais saluer le travail correspondant de presse. Travail est de plus en plus important. Nous voyons que jeudi, il y a des pans entiers dans la radio et même dans la télévision pour yo. L'État haïtien déjà prend toutes dispositions pour permettre la diffusion de la Coupe du Monde en fait, comme ça doit dans tout pays. C'est ça responsable dans le ministère de la Culture, qu'on appelle avec le ministère de la Jeunesse et le Sport fait qu'on est dans une conférence pour la presse journée 10 mai. D'après le responsable, il y a 17 gros écrans qui sont installés sur diverses places publiques dans la capitale. Il y a une manière pour permettre toute population de garder l'événement ça sorti en juin pour arriver en juillet. Plus de détails avec Marcelin Monteil, qui est directeur général qu'on appelle, avec Evans Lescoufler, qui est ministre de la Jeunesse Esport et Action Civique. Le travail qu'on a est situé à trois niveaux. D'abord, nous avons servi comme interface avec l'ensemble des stations de télévision, côté que nous avons invité à remplir des formulaires, bah, une information sur qui Jean a fait à l'ISA. Et à ce niveau, nous croyons que le travail-là est révélé très fructueux parce que nous arrivons et signer un contrat qui permet station télévision à station télévision qui est en provinciaux et jouit de l'événement correctement. Et deuxième niveau dans le travail qu'on a tel, c'était question de distribution signal. Et à ce niveau, nous avons adjoint nous les services d'un technicien qui est reconnu en Haïti, si ce n'est le meilleur d'ailleurs, il est là dans ce là. C'est ingénieur Fritz Joassin qui a une longue expérience dans la question de télécommunication en Haïti. Et c'est avec l'ingénieur Joassin que nous travaillons pour que nous assurions que ensemble, télévision, tant à Port-au-Prince que tant en ville provinciale, capable de recevoir ce signal-là, signal Mathieu, à partir de demain. Et jusqu'à présent, comme dit, le travail ça a avancé très bien. Il y a différents tests qui sont faits déjà avec des médias dans la capitale là, et dans la ville provinciale, et tests révélés au positif.